Les Chocopops Tout, nouvelle vidéo cache-cache géant dans un chalet à plus de 8 millions d'euros. Aujourd'hui, on est accompagné de ta. Regardez tout ce moment. Ok, on va tourner la roue pour savoir qui va devoir compter. C'est parti, 3, 2, 1. C'est Choco. T'es de ma gueule. Non, mais arrêtez. Il y a vraiment écrit Choco. Non, mais non. Je vais vous laisser. Je compte jusqu'à 30. Je rigole. Je compte jusqu'à 60. Vous avez une minute pour vous cacher. Mais c'est... il est long, j'allais commenter. Bah, une minute 30. Une minute 30, c'est bon. Une minute 30. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3. Bravo, quoi, bien sûr. Les gars, on va pas se prendre la tête. Simple, je vais aller dans ma voiture. On va aller là. Je me pose à l'intérieur. Je suis fatiguée. Là, je suis dans ma chambre camouflée et j'ai la seule chambre qui a une clé. Si vous voyez ce que je veux dire. Si on peut genre désinverser ma gueule, ça serait genre grave sympa. Mais c'est genre grave fermé. Regardez, c'est des vitres teintées à l'arrière. Donc hop, je me cale à l'arrière. Hop là. Là on est bien là. Ouais. J'espère qu'elle va me trouver vite parce que j'ai peur. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mais... ok. 32, j'ai l'impression d'être en école primaire, genre 23, 34, ça me manque. Le seul moyen qu'elle me voit, c'est devant. Sauf qu'il fera tout noir et je suis habillé tout en noir, j'enfile ma capuche et c'est bon. Carrément, je m'allonge. Et si je suis trop bien caché et que personne vient me chercher, genre, je vais rester combien de temps là? Attendez, si je mets ça sur moi, genre. Regardez. 52. Jusqu'à 100? C'est jusqu'à 1 minute 30. Donc c'est jusqu'à 100. Mais je suis dans une vraie cachette. Je suis dans le placard. En fait, les gars, il y a un capteur de lumière dans le garage. Et dès qu'il y a quelqu'un, bah ça allume la lumière. Mais là, du coup, ça s'éteint. C'est-à-dire que dès que la lumière elle s'allume, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui rentre. Imaginez, je meurs parce que j'ai trop chaud. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle en fait. Les gars, j'ai des gaz. Non, ça commence à monter. C'est l'altitude qui me fait pas. Qui me fait... 89, 90, prêt ou pas prêt, j'arrive! Elle arrive. Non, putain, y a des tuyaux. Ah, c'est chaud! J'en suis sûre qu'il y a une personne qui est cachée dans cette pièce. C'est obligé parce que je me dis, justement, là où la personne qui s'est cachée, il s'est dit, mais. Choco, elle va quand même pas regarder ici, impossible, nanani, nananer. Donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un caché là. C'est sûr. Oh là 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 là. C'est sur le monteur là, il a une POV d'une personne qui est en train de se cacher. C'est pour ça qu'on va, regarder ici. Non. Non. On va regarder sous les objets carrément. Non. Sous les trucs, il y a personne. On va se cacher là-dedans. Elle parle beaucoup, elle raconte sa vie. Viens me cacher s'il vous plaît. Imaginez, il m'oublie. En fait, le problème, c'est que le chalet, il est tellement géant que, en fait, entre-temps, il y a peut-être des gens qui vont se cacher et qui vont partir. C'est atroce. Est-ce qu'on regarderait pas dans cette pièce là-bas? Parce qu'en fait, il y a une pièce secrète qui amène une ceinture de puanterie. Ouais, non, personne. Les gars, pour l'instant, tout est bon. Rien à dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, les gars, sur la chaîne de Choco. Oh là là. Ouf. Ok, non. On va aller dans les toilettes. Ah, mais attendez, il y a tellement de tiroirs. La tête d'homme, c'est ça. Je jure, ça fait grave une cachette. Oh là là là, tu sais qu'il y a à ça, je t'aurais pas vu. Si t'avais pas parlé, je te jure, à ça, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, tu dois aller dans le salon. Imaginez quelqu'un qui est caché ici là. Non, non, mais par contre la. Oui. Eh, la cachette elle est dingue par contre, mec. C'était caché là, un endroit. Elle est incroyable. Un endroit stratégique de fou. C'est pas confortable du tout. Non, voilà, tu dois aller dans le salon. C'est la première personne qui a été trouvée. Ah ouais?
Genre, y a vraiment personne de. Bah, mais tu sais que je viens de commencer à chercher. En vrai, ma cachette a été pourrie, quoi. Tu dis qu'elle est incroyable, mais. Bah, non, après, si tu t'es rentré encore un peu plus profond. Bon, bah, moi, je vais chercher. Si tu veux, si tu voudras m'aider tout à l'heure, tu pourras m'aider. Vas-y. Alors. À quel moment elle va me trouver? On va monter. Parce que je me dis que si quelqu'un va vouloir changer de cachette, hein. Si quelqu'un va vouloir changer de cachette, je vais pouvoir le ou la voir. Étant donné que je serai en haut. Et que j'aurai un aperçu sur ce qui se passe en bas. Tu vas pas me trouver. Ah, il y avait quelqu'un aux toilettes. Merde. Ah, désolé. Il y a vraiment quelqu'un aux toilettes. Ok, on est dans la baignoire. Dans la salle de bain de fou malade. Manissa. C'est quoi cette cachette de fou malade? Avec ça, tu vas pas me voir. Mais peut-être t'aurais dû mettre au-dessus de ta tête. Mais là, de loin, tu me vois. De loin, non, je te voyais pas. Mais c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais me rapprocher quand même. C'est vrai qu'elle est tellement grande. La dernière qu'on va chercher. Genre, je suis au dernier endroit où tu vas chercher à la base. Ça commence à être un petit peu compliqué là. Là, vous êtes un peu très fort là. Là, franchement, là, vous êtes chaud lastico. Il y a quelqu'un ici? C'est comme si une personne avait dit oui, je suis là. Dehors, vous pensez qu'il y a quelqu'un? Ah, faut tout chercher. Non, il y a personne dehors. En haut, il y a personne ici là. Non, je pense qu'il y a personne. Ça se passe dans le dernier étage alors. Je vais changer de cachette. Littéralement parce que je n'ai pas de réseau sur ma pelle et que je ne saurais pas quand est-ce que le jeu sera terminé. En attendant, elle n'est pas venue chercher là. Je descends, on va essayer de trouver s'il y a quelqu'un en bas. Anissa, elle voulait se cacher dans ma voiture. Mais les gars, c'est pas possible. J'avais la même idée. Tu m'as fait trop peur, je me suis dit que quelqu'un est sorti sa cachette. Non, ça y est. Je faisais juste pipi là. Oh. Ouais. Là, c'est compliqué là. Je comprends pas. Je sais ce que je fais, je me mets derrière la porte. Comme ça, si elle loue. Le truc, c'est que je crois qu'elle est rentrée dans cette pièce, qu'elle l'a juste ouvert, mais qu'elle n'a pas cherché. Vas-y, vas-y, je me capte, je suis là. Je sais pas si... J'ai les dents blanches à la caméra, on dirait. Et j'ai mis du labello, c'est pas du rouge à lèvres. Hein. C'est le ski, ça pique les lèvres. Est-ce que je trahis la personne? Oui, pareil. J'ai trouvé que t'as mis, toi. Tu veux trouver ta pièce? Oui. Je fais genre, oh, mais où est-ce qu'il est? Là. Compliqué. Merci. Allez, pas jeter. Bon. Mais impossible, là, il y a quelqu'un qui est là. Possible dans un tracteur. Wesh. Eh, les cachettes, elles sont difficiles, hein. Là, du coup, si je me souviens bien, il reste plus que Tobias et
Tobias Melanite. C'est tout? Et Mademoiselle Lou. Oh, eh, c'est quoi? Ils sont forts, ces bâtards, hein. Ils sont forts. Il y a personne caché là, sous la voiture peut-être. Ah ouais, par contre regardez-moi la voiture de Tobias, comment elle est trop belle. Elle est incroyable. Eh, je sais pas où est-ce qu'il est, hein. Purée. Je me dis un monde avec... Non, bah, impossible. Peut-être dans la voiture. Non, c'est teinté, vitre teinté. Peut-être dans le coffre. J'ouvre le coffre. Imaginez, la voiture elle est ouverte. La voiture elle est ouverte. Ça c'est très suspicieux, parce que ça veut dire que Tobias il est forcément à côté. Une voiture ouverte? Impossible. Parce que la voiture elle s'ouvre uniquement si on a les petites clés. Donc c'est bizarre. Très 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 bizarre. Bon, je vais regarder peut-être ailleurs. Je crois que j'ai pas qu'elle. Bah vas-y, je vais aller ailleurs alors. Hein. Il est trop con, là il grogne. Non mais c'est bizarre. Je crois que j'ai une intuition, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit d'aller ouvrir la porte. Je sais pas. Une petite intuition. Tobias! Mais t'es trop fort! Wesh! Mais en fait, j'ai vu que tu m'avais vu, mais tu me trolls! Bah oui! Ah, j'ai le seum! Ah, je croyais que t'allais pas capter mon train! Ça va dormir, à la caméra! Anissa, elle t'a pour cave! Arrête, tu vois là? Ouais, non! Ça commence à être compliqué! Là où t'as le seum! Regardez, là, t'es Tobias! Je vois là! Ah, mais pour cave! En plus, je racontais que justement à la base, c'était Anissa qui voulait être là! Ah, il y a eu des alliances qui n'ont pas été tenues, merci beaucoup Anissa. Tu m'as volé la cachette. Non, pour, j'ai pas volé la cachette. Si. Mais parce mais que trop a... la rage, trop la rage. Mais j'avais préparé, j'avais pris mes clés de marocule et tout. Trop la rage, j'ai dit bah, pourquoi t'as trop la rage. Trop le seum. J'ai envie de faire caca, est-ce que vous pouvez tenir la caméra et prévenir ceux qui jouent? Oh, tu me suis Tobias? Tu veux me voir dans les toilettes ou quoi? Allez, zoa. Allez, dehors. Ok, c'est parti. Bon, bah les gars, je reprends le log de Choco pendant qu'elle lâche un gros caca. Donc moi, je n'ai aucune idée parce que personne n'a voulu me dire ce qu'ils étaient. Là, de l'entrée, je sais pas, c'est... En fait, je sais même pas ce qu'elle a fait, carrément, Choco. Cinéma. Personne. Ok. Moi, je suis trop efficace, les gars, je suis trop efficace. Il y a la buanderie aussi. Je crois qu'elle est nerveuse. Mais là, s'il y a pas quelqu'un... Oh, voilà, j'ai eu peur. En fait, elle est partie faire caca. Elle, Choco. Elle est partie faire caca et du coup, juste elle m'a dit cherche là où il y a les gens. Donc, les gars, là, ici, il y a Mademoiselle Lou. Attends, c'est moi. Gros, ça fait 15 minutes, tu l'attends. Mais va là-bas. J'en peux plus. Elle fait caca juste là-bas. Mais je sais, Ok, bah, hé, va dans ma voiture. Et moi elle m'a déjà trouvé là. Donc elle vient pas venir, elle va pas revenir là. Je viens de sauver les gars, Mademoiselle Lou. Je viens de la sauver. Yes. Eh comme par hasard, je viens bon timing. Moi je sais où tout le monde est caché. Caché, ah. Tiens. Mais là j'ai pas capté en fait, Choco elle a dit je vais faire caca et elle a abandonné le jeu. Quand je sortais des toilettes, t'as fait genre ah bah comme par hasard. Ça, c'est un truc, j'ai une intuition, Tobias. C'est vrai, par hasard. Tu te dis la vérité? Il y avait quelqu'un en bas. Il y avait quelqu'un en bas? Ouais, et du coup, t'es fait exprès de monter pour faire genre tu descendais, en mode oh, comme par hasard. Genre, m'attends, j'ai tort? Non, peut-être. Jure, j'ai tort? Voilà, j'ai raison. Mais j'ai raison. Ouais. En fait, mon cerveau, il fait gling 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 à chaque fois. Le seul problème qu'on a, c'est que les lumières, elles sont allumées. Et je sais pas comment on fait pour les éteindre. Mais déjà, est-ce que je peux sortir de la voiture? Je peux pas sortir de la voiture. Je me dis, peut-être. En fait, elle se fout de ma gueule peut-être. Il y a quelqu'un là qui peut-être fait que de bouger dans toutes les chambres, dans toutes les pièces. C'est quoi ça? La voiture est allumée. La voiture elle est allumée. Comment ça la voiture elle est allumée? Non, j'ai pas mal fermé la porte, j'étais coincée. Voilà. Mais j'ai essayé d'ouvrir la porte, La voiture elle était allumée. J'étais en mode Tobias, il m'a dit de me mettre là, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? En fait, t'étais où? J'étais comme un... Gros, je vais te dirai pas. Je regarderai la vidéo. Non, attends, mais je regarderai. Je te dirai pas, regarde la vidéo parce ouais. Que vraiment c'est énorme. Melanite, où es-tu? Où es-tu? Melanite. Toi aussi, tu sais pas.
où est-ce qu'elle est? Mais wesh, je sais pas qui lui a donné une cachette de fou comme ça. Wesh, ma gueule. Mais la Nate. Mais la Nate, elle est pas là. Elle a vraiment trouvé une bonne cachette. Mais là, c'est pas une cachette qu'elle a trouvée, frère. Mais la Nate, t'as gagné. Je crois que je m'en fous inquiète. Mais la Nate, t'as gagné, qu'est-ce que tu fous? Merde. Mais la Nate, bravo. Imaginez, elle est pas là. Bravo, mais la Nate. Comment ça, j'ai gagné? J'ai vraiment gagné? Elle déclare forfait. Elle dépose bilan. Oh, comme quoi? Dormez, les gars, dormez. Elle me répond pas? Mais les gars, me répond pas? Je crois que je joue plus. Trop tard, je boude. Je voudrais, merci. Vitamine, tu veux? C'est quoi ça? Mais non, merci, merci. C'est merci. Le meilleur bonbon. Ah, les gars, ils répondent pas? Mais je crois que c'est en fait, t'es pas là. Descends. Mais elle est pas là. Elle a gagné. Bah ouais. C'est elle là-bas. Mais ouais, elle a fermé la porte à clé. Non, elle y était pas avant. C'est quand je suis allé me changer qu'elle est venue. Mais la Nate. Mais c'est gagné même. Mais wesh, elle est trop forte. La tête d'homme, elle est trop forte. Elle est... me dit pas qu'elle... J'ai vraiment gagné. Elle est sortie comme un mort vivant. Comme un zombie. J'ai gagné. Mais oui, t'as gagné. Ma chance. C'est que depuis tout à l'heure. Wesh, t'es tellement forte, on s'est dit... Bah, tout le monde, en fait, elle est partie. On s'est dit, elle est en train de dormir, je sais. Mais tu, bah oui, tu filmes depuis combien de temps? Hein? Tu filmes depuis combien de temps? Bah t'inquiète, j'ai tout filmé, t'inquiète. Okay. Tu verras tout. Bande de nuls. Dormez, vous gagnez. Bravo Mélanie, elle a gagné la vidéo. Bah la chaîne de Mélanie se retrouve en description, bravo. Un mot pour Mel dans les commentaires. J'espère que t'as pas triché, hein. Sinon les gens ils me demandent des commentaires triches. Mais jamais, moi tricher, j'aime pas ce que ça veut dire. Allez, je vous fais plein de bisous. C'était Choco, bisous, à bientôt pour un nouveau cache-cache. Objectif 20 000 pouces bleus pour une autre vidéo cache-cache. C'était Choco, bye. Si les personnes n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.